place Maurice Chevalier. Elle est où, Annie? Ah, Et alors, toutes les personnes qui sont intervenues, il y a eu un vrai travail de fait sur les recherches, sur les communardes. On n'a pas fini. Marie, c'est un travail remarquable. Bravo, à toi, Marie. Isabelle, Maria, Nadia. Bien sûr, les voix rebelles. C'est une commune. Merci, bien sûr, les voix rebelles. Les voix rebelles, qui, voilà, on fait des beaux textes. On a toujours plaisir à les retrouver, de féministes. Parce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, c'était quand même une réunion communale féministe. Oui, toutes les copines qui sont là, avec un travail très important, sont pour les droits des femmes, pour ce que disait Louise Michel, l'égalité femmes-hommes, contre les violences. Je veux dire, c'était précurseur de la pauvreté. Même parce qu'il faudra qu'on fasse un truc spécifiquement. Là, je pense qu'ils ont tout fait. Notre choix de faire des communards pas connus, c'est vraiment bien qu'on ait fait ce que ce choix a été fait. Parce qu'il y avait tellement de femmes dans la commune, tellement qui ont eu des idées tellement profondes, vraiment. Là, on n'a pas le temps parce que là, c'était les clubistes. Emmanuel a fait un travail très important. Il y avait un club ici, exclusivement féminin, là, Notre-Dame-de-la-Grâce, dans lequel Paul Manck. C'était en général la police. Et les curés, il y avait un curé, je me rappelle plus le nom, qui écrivait. Et très tôt, le confessionnal, la critique du confessionnal sur le plan familial, le poids du confessionnal, la critique du clergé, la critique des curés, la critique des curés était très forte, déjà été dénoncée. Hein, les accouchements, pour le dire que s'il y avait, c'est excessivement révélateur. Cette histoire de pédophilie dans l'église, elle est très très ancienne. Les femmes de la commune ne voulaient plus que leurs enfants aient rapport avec l'église et avec les curés. C'était vraiment une détermination très forte chez eux par rapport à ce poids. Hein. Donc plein de choses qui ont été dites par Nathalie, par Penny. C'était vraiment, ça a duré peu de temps, mais on s'en sert encore. Parce hélas, hélas, on est encore obligé de s'en servir. C'est ça qui est grave. C'est qu'on pourrait penser que 150 ans après, on a tout gagné, et ce n'est pas le cas. Et donc, on se donne rendez-vous parce qu'on a des luttes à venir sur lesquelles on lâche pas. Yes. On lâche pas. Yes. On lâche pas. Yes. Allez, encore. On lâche pas. Yes. On lâche pas. Yes. On lâche pas. Yes. Allez, je pense qu'il faut rajouter. Effectivement, il y avait un énorme travail d'Emmanuel, de José, etc. sur justement les femmes connues et inconnues de la commune pour être produit en forme d'affiches. Et donc, tout au long du parcours, il y a des copines et des copains qui ont collé ces affiches. Donc, on espère aussi que ça va rester un peu dans les rues de ce quartier pour rappeler aux gens, pour
plus chaud, on espère que le temps sera meilleur. Le sera. Au mois de mai. Et qu'il y aura d'autres prises de parole sur d'autres femmes, etc. Donc, la commune n'est pas morte et nous n'en plus. Bravo! Bravo! Qui a dit en trop, parce qu'on a tellement dit, tellement fait, qu'aujourd'hui on a pris la rue, parce qu'on l'a voulu, on était un petit groupe, et vous êtes venus tous, là, toutes, donner une vraie réalité à cette petite idée qu'on avait, et la réalité qui est celle d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez donnée, alors donc on vous remercie infiniment, et Louise Michel disait, donc comme aujourd'hui on a pris la rue, eh bien ce que notre peuple obtient, il le prend. Et bien voilà, aujourd'hui on a pris la rue, et demain on va continuer à prendre nos droits. Voilà. Yeah! Yeah! Yeah!